t'as joué sur FS. Bah, moi, les gars, j'avais joué à l'époque avec la team. On avait joué quand même pas mal de temps. C'était beaucoup amusé. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ce projet. On avait joué à Farming Simulator 19. Et là, du coup, on a un projet qui est cool, là. Une espèce de LAN 72 heures. Le principe, c'est qu'on gère, une ferme avec Dobby, Balouz, moi et Fab. Il y aura peut-être des petites surprises qui vont arriver, vous inquiétez pas. Et du coup, l'objectif, bah, c'est de bosser un maximum pour faire de la thune et avoir la plus grande ferme possible. On va passer un super bon live, ça va être trop bien. Oh, il n'arrive pas à monter. Merde, il est pas assez puissant. Dans la vache. Ah oui. Mais je vais avoir besoin de passer mon passes, donc il va falloir que tu m'apprennes le permis. Mon passes. Mon capes. Casses. Faut que tu me le fasses passer, mon casses. Et là, tu fais clic gauche. Ah ouais. Ça va, j'ai un grand tapis de souris, mais. J'ai envie de me relancer là-dedans, les gars. Putain. Mais les œufs, il n'y a rien à faire à part. Faut les emmener dans un truc à vendre. Mais est-ce qu'on est dans le max des prix des œufs, là, ou pas? On a 2003, si, c'est un bon prix. Hein. Ah oui, c'est un bon prix. Je regarde le bitcoin ou les œufs, là. Les gars, petite question, le tracteur vous l'utilisez? Non. Parce que sinon je prends une remorque et ce sera mieux. Ouais, vas-y. Faut remorque plateau genre. Bon, celle-là quoi. Enfin, je l'ai acheté, les gars, c'est trop tard. Hein. Par contre, est-ce que j'ai l'attache remorque pour pouvoir la mettre sur mon tracteur? Ça, c'est vraiment une autre question. Hein. It's an another question. Oh là là, elle est là, la remorque, elle est là, elle nous attend. Aïe aïe aïe, là on est bon là. Hein. Ça, faut que je mette ça, non? C'est quoi ces trucs là, les gars? Il peut pas les mettre. Bah, faut qu'il ramène le Fenwick. Mort, ah, faut ramener le Fenwick. Bah, faut que je prenne le Fenwick et que je le ramène là-bas, quoi. Mais là, faut que tu le ramènes là-bas. Bah, ouais, faut que je fasse la route, quoi. Ah, ça va être long et après, faudra que tu fasses le retour. Non, mais les gars, ça va m'apprendre. Non, mais les gars, hey, vas-y, je le fais. C'est bon, on a qu'une vie. Ah, mais descends du Fenwick là. Pourquoi? Il va le reset. Il va non, c'est de la triche. Non, je peux pas accepter. Ah, ok. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on est RP ici? T'es un bon. Alors que deux secondes avant, je me TP sur le tracteur qui est proche de la maison pour le prendre. Ah, c'est bon, let's go! Ah, par contre, c'est vrai que quand il est vraiment lent comme ça. En même temps, ils sont mis tout en bas à gauche de la map. Comme ça, on est bien loin de tout. Après, hey, les gars, c'est le premier jour, on va pas direct aller à 200. Mais c'est là que tu dis que le vrai métier dans la vraie vie, c'est hyper compliqué. Mec, c'est hyper galère. Imagine les gens qui font ça pour dans la vraie vie, genre. Ah, si, t'avais pas mis un truc là, toi? Je connais pas. Mais ça a rien à voir, c'était pour fermer le truc ou non, là c'est la taille. Non, ça a rien à voir. Là, je suis pas avec la grue en fait. Parce qu'en gros, tu dois le fermer. Mais il y a écrit ce type d'arme n'est pas compatible. Regarde à gauche, derrière, il est vers lui. J'ai réussi à charger, j'ai mon cacaès. Oh les gars, j'y arrive pas. J'ai mon cacaès. Yann, j'ai mis des élingues. C'est chargé là. Ouais. Mais comment tu vas décharger? Bah, j'ai le Fenwick, je vais le reprendre après. Je vais juste faire un petit tab. Et hop là, je suis dans le Fenwick. Comment je replie? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Vas-y, bouge de là, ouais, je t'abuse. Mais ouais. Mais si, Ah, j'ai mon plateau. Regarde Dobby comment je le trace, il fait trop le malin. Il y a la petite rosée du matin, les gars, j'adore. Qui a appelé le tracteur Prout? C'est moi. L'ouvrier. Entre fermiers, j'ai l'impression, entre agriculteurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de guéguerre. Comme les routiers, tu vois. Ils se respectent, si tu savais. Ah merde, je me trompe. Putain, je pensais pas. Désolé, monsieur. On est pour quelques instants. Vous inquiétez pas. Rien d'urgent. Donc, ok. Je défie la loi de la physique, les gars, là. Je sens que le Fenwick, à tout moment, il peut partir. Hein. Il est patient, lui, c'est cool. Bloque un peu la route, mais c'est rien, c'est un combat exceptionnel. Vas-y, mets-toi dessus. Prends l'arbre. Qui m'a mis une obstacle là? Il y en avait encore un. Ah, j'ai pas le paquet. Pas le. Tu nous trolls là à chaque fois. Non, même pas. C'est sûr. Oh, voilà. Nickel. Allez, go les œufs là. Ça se passe la gueule. Là. Que ça sangle. Oh, ça sangle, les gars. C'est bon. J'en mets une là. Oh. Oh, oh. Oh, c'est la masterclass que j'ai fait là. C'est bancal de zinzin. Ouais, eh. Tant que ça. Les œufs, ils sont chargés à la perfection. À la perfection. Oui, t'as vu la quantité qu'on a d'œufs à charger là? Ouais, mais t'inquiète, il y aura plus d'aller-retour. Les caristes en sueur. Hop là. Allez. Ça tient. Il n'y a rien qui va dans les œufs. Comment ça, il n'y a rien qui va? Tout va bien se passer. Ah non, non, non. Non, je peux pas. Il a passé de patate, le Fenwick. Vas-y, faut que les gars, je suis obligé de passer le temps jusqu'à ce qu'il pleuve plus. Ouais, passe le temps. Stop, je crois qu'il pleut plus. Mais mec, tu viens voir ma remorque, tu t'en remets pas. Bah, je l'ai vu tout à l'heure, je m'en suis remis. Je m'en suis remis depuis. Alors, les gars, regardez bien. Vas-y. Regardez bien si ça rapporte de la thune ou pas. Ouais, vas-y. 80 000. 1000 balles. Pour faire quoi, 1000 balles?
Et les gars, mais ça veut dire que je suis trop bon. Mec, les œufs, c'est une hécatombe. Mais non, c'est bon, c'est le dernier. Non, j'ai tellement hâte que Bouzy ramène les œufs à la vente. Ça va être ouais, légendaire. Les gars, tout est sanglé. Direction la vente des œufs. Bon, bah, les amis, on est parti. Hein, on est parti vendre les œufs directement. Faire un max de thunas. Oh, ça va pas passer là. Ça va prendre 2 heures, ils m'ont dit. Il va nous coûter d'argent, les gars. Ouais, donc retirer les pierres du champ, donc ça veut dire que tu dois juste enlever les pierres. Tiens, t'en es où là? Je vais peut-être pas passer par là. Merde. Excusez-moi, mesdames et messieurs, dames. Bourré le fermier là. Là, tu dois faire quoi là? Oh, regardez les sous. Oh putain, regardez les tout. Oh, attends, putain, j'ai pas 2000, fini, pas 2000, 8000, 5000. On s'est fait combien là, les gars? On s'est fait 40 000. Ah ouais? Ouais, c'est pas mal, les gars. Ouais, bah, vive les œufs, les gars. J'ai des poules aux œufs d'or. Oh là là. Des œufs en barre. Quel homme. C'est imagine, on trouve un fossile de Triceratops et on le vend 500 000. Vas-y, vas-y. Oh, mais vous dites, t'es le roi. Je crois que c'est bon là. Ouais, c'est bon. Attends, je crois. Putain, mais quel pilote! Mais vous êtes trop chaud. Voilà, ouais, ça a bien chargé là, je sens. Vas-y, va lourd, essayer là. D'aller les vendre. Aucun point de vente disponible. Non. On est pas mal les gars. Bien joué. J'ai l'impression que tout ce que tu fais, tu le fais pour rien. Pourquoi? Ouais, je te jure, il me dit ça le chat. Tu peux que vider au sol. Eh, on va perdre la... ça sert à rien, je perds de l'argent du coup. Oh, tu l'as trouvé énorme les gars. On s'applaudit. C'est bon les gars, c'est pas grave si on perd 50 000 sur ma mission. Mais attends, mais qu'est-ce que... 50 000 on va perdre 50 000 euros là. 50 000, j'ai trop le 50 000, non mais frère, bah, ok les gars, on perd 779, ça va? Ah ouais, ça va. Voilà. J'ai fait 2 heures dans le vide les gars. Bah au moins t'as appris comment on met des cailloux. Oh les gars, il y a moins 54% sur un plateau. Est-ce que le plateau en promo c'est le même que t'as acheté Non, mais le plateau en promo est moins bien je crois, on m'a dit dans le chat. Moi j'ai pris le premier. Non mais là ça a changé entre temps. Arrête. Ah oui là c'est le même. Ah oh, putain les chiens, ils l'ont mis en promo quand je l'ai acheté. Et toi tu l'as acheté combien? Bah 20 000 du coup, 22 000. Et il vaut combien là? Bah 10 000. 10 000. Oh, grave vous-y. Ah oui, achète-le, on a vendu le nôtre. Ah ouais, bien. Ça fait 7 000. Attends. Bah on a vendu le nôtre plus cher qu'on a acheté l'ancien. Et regarde, le nôtre il était en vente là. Ouais, il s'est retrouvé là le nôtre. Ouais. Comment ça sent la paille de fou ici? Non, j'ai pété. Mais mec, je les ai bougés. J'en ai bougé une. Il n'y a plus d'espace pour passer une nouvelle palette d'œufs. Ah ouais, bah attendez les gars, c'est pas bien. Oh là. 1, 2, 3, 4, 5 palettes les gars gâchées les gars. Aïe aïe aïe. Non mais les gars, ça va pas du tout ce qu'on fait là. Putain, vous savez pas lire. Oui, mais il y a caisson là-bas. Il y en a, il m'a dit si vous voulez gagner de l'argent rapidement, placez des éoliennes. Non, mais on fait pas ça gros. C'est cheaté. C'est banni ça. Ouais. Pourquoi? C'est trop fort. Mais je crois qu'elles sont encore les aliens même. Tous les mois t'as 5000 balles qui tombent, vas-y. Bah voilà, mais après elles nous coûtent combien? 750 000. Ah quand même. Après le petit panneau solaire, il coûte 7800, il te rapporte 648, entre 0 et 648 euros par mois. Les gars, on est écolo ici. Qu'est-ce? C'est prêt, ça a poussé, ça a pas poussé. Ouais. Tu pousses un peu les palettes là? Putain, on aurait trop du mon chef qui parlait, Muskun. tu me fais ça, s'il te plaît là. Ah, tu me fais ça, tu te dépêches? Yogo, regardez la promotion. Arrête. On le fait le week. Les gars, on le vend combien le nôtre? Au pire, non, les gars, je pense qu'on peut en prendre deux. Non, ça sert à rien. Non, tu me racontes. Avec un deuxième. Ça vaut combien de le vendre le nôtre? Ça vaut 38 000. Bah vas-y, vends, on se fait 14 000. Attends, deux secondes avant de le vendre parce que je suis dedans. Je me fais juste un petit chargement rapidos. C'est bon, tu peux vendre le Fenwick. Vous avez le Fenwick là? Bah, faut aller retourner à la concession là. Y'a pas une voiture de place, quelqu'un me dépose? Je ramène. Y'a des gens qui connaissent pas Geeks, qui es-tu? Moi Geeks, je suis le couteau suisse de Bouzy. Oh là là, le couteau suisse de Bouzy, tu confirmes Bouzy? Non. Ah top. C'est quoi la dernière chose que t'as fait pour Bouzy? Allez chercher pas ce coup. Je l'ai emmené à la gare. Non mais là ça fait... C'est donc ça le couteau suisse de Bouzy? Je l'ai sucé la bite. Hop, là il monte. Oh merci. Et là faut que... Moi, ce que tu fais là? Moi je vais à 18. C'est du béton ça? Ah oui, mais le béton il était déjà là depuis tout à l'heure. Et là, Daniel qui est en train de moissonner quoi. Contrôle de douane. Tu dois être le couteau suisse de Paris. Ah ouais, mais on m'a dit qu'il fallait attendre pour lancer une mission. Balouze. Par contre, non, bah, Balouze. Ah là, je peux là. Je peux plus rien faire, frère. Balouze. Vas-y, fais demi-tour. Balouze. Fais demi-tour. Y'a un problème. Ok. Aïe. Il m'a embroché le con. Oh, on y arrive, les gars, on y arrive. Il y a encore un Fenwick en promo, mais il est tellement cher. En vrai de vrai, je suis quand même meilleur. Bon, le placement est pas fou, mais je suis plus rapide. Il y a une palette sous la palette. Putain, il y a une palette sous les palettes. Daniel? Ouais? T'es chaud, tu m'avances cette remorque rapidos? Oh, les boss. Oh là là, le boss! Tu me l'as mis droite. Là, tout est chargé, là. Moi, je vais aller vendre les œufs, on va le vendre.
Et c'est pas galère à prendre le bois et le mettre dans le camion? C'est très galère. Ouais, on est d'accord. Ça fait partie du jeu, Bouzy. Jamais fini quand vous allez partir. Ah mais même moi si je commence là et je finis pas et que quelqu'un va le prendre. C'est quoi qui a été vendu? Ah c'est les œufs. Ouais. C'est vrai que ça fait pas mal d'argent. Ouais. Ah non elle est un peu. Yoko Weber, oh la calme. Oh putain. Oh la moustache. Il arrive quand Bouzy là? J'arrive là. Parce que là vous vous en pas compte donc tant qu'on s'est embarqué. Oh, Valouz, je t'avoue que t'as coupé trop d'armes. C'est un peu. C'est galère. C'est un peu ghetto. Montre-moi comment tu gères. Oh la ça, vache, voilà. je déploie. Vraiment un bûcheron de l'extrême. Hop là. Attends les gars, on a que ça comme espace. Oui, bah oui. Ah ouais, on est mort. C'est ça, Valouz, qu'on t'a dit. Ah, on est mort, du coup. Là, je le dis, là, on est mort, ouais. Alors que regarde-moi comment je manie tout ça à la perfection. Regarde-moi. On dirait que je suis à la fête foraine. Ah, la remorque, elle s'étend mais apparemment. Les gars, il s'en va, le bois. Vas-y, Dani, tu gères. Ah, bien. Hop là. La main morte. Eh, faut pas planter des graines. Vas-y, pince. Voilà. Oh là. Tire, lève. Ah, bon. Oh, restez pas en dessous, les gars. Oh putain, il l'a. Elle avec son manche d'avion, ouais. Mec, tout à l'heure, je l'ai fait pendant 2 heures, gros. Lâche. C'est très dur, en vrai. Ah ouais, t'es le meilleur. Ouvre, là, ouvre, Valouz, je vais sangler, vas-y, ouvre. Vas-y, c'est bon, je vais sangler. Ah ouais, elle est droite, hein. Daniel. Ah ouais, c'est la fête foraine. Oh merde. Oh putain, ça marche quand même. Alors, c'était pas prévu, ça, les gars. Oh merde, oh voilà. Hop oh, les putain, vas-y, pousse. Attends, je vais essayer. Ouais, pousse avec le bras. Pousse. Une biquette. Je peux pas lui mettre une bastos pour la manger? Ouais, je sais. Oh, tu te balades, Bouzy. Bah attends, je vais enlever les petites feuilles, là. Regarde Kicks, il enlève les feuilles. Ok. Hop, c'est vite fait, ça. Vas-y, encore, Kicks. Non, mais je vais dans enclos, je prends... Je peux pas attendre dessous, là, c'est trop. Eh, c'est un vrai travail d'équipe, les gars. Pourquoi je me suis appelé Daniel, putain? Ouais, attends, moi, il y a un problème. Vas-y, là t'es en train de prendre le Fenwick avec là. Oh bien. Attends, je vais essayer de virer les petites branches, peut-être ça va t'aider. 46. Oh, je suis en well. Tu vas cabonner. Il nous reste 160 000. Y'a un chevreuil, il m'a eu un coup de tronçonneuse. Y'a un chevreuil? Ouais, y'a des chevreuils. Oh, il a failli se faire écraser. Live 72 heures, ouais, 72 heures sans dormir, sans manger. Sans se laver. Ok, donc là on a l'herbe pour les animaux, sachant que le champ d'herbe c'est ça, on est d'accord, hein, ça c'est de l'herbe, on est d'accord. Là on a... Ah putain, on fait des bouchons ici. Pardon messieurs, dames. Désolé du dérangement, allez-y dégagez, activez la chargeuse. Ah tu charges par l'avant? Mais c'est pas très très RP si. Si, ah ils font ça dans la vraie vie aussi. Bon bah ça va alors. Genre là je vais dessus comme ça là. Ah ok. Ah vache. Ok là elle est bien remplie. Ok j'apprends avec vous hein. En fait là ce qui est chiant c'est ce putain de lampadaire. Bon après en vrai quand tu manœuvres comme moi, avec un permis B96, pas forcément besoin. Excuse-moi, elles ont quel âge elles? Elles ont 23 mois. Ah ouais elles ont grandi depuis hier. Ça tombe. Et ce qui est à l'arrière ça fait quoi? Pour plus d'RP, pas tondre la pelouse mais faucher l'herbe. Ah on va faucher l'herbe, pardon. J'ai pas tous les termes. Putain on se fait ça comme ça. En vrai ça c'est top pour tondre je pense. Moi j'aurais bien aimé faire une serre à champignons. Donc activer faucheuse, ok. Par contre c'est la vache, la place que ça prend c'est top. En vrai un petit coin d'herbe comme ça suffit large pour les chèvres je pense. Là je suis au top du top là. En vrai ça met pas beaucoup de temps. Mais je crois que pour en rubaner il faut des trucs qu'on n'a pas non. Faut pas genre des presses à balles et des trucs comme ça. Presse à balles carrées. Ça va pas coûter cher. Waouh, c'est pas cher ça. 22 000. Parce que rien que déjà quand c'est mis en balles, tu peux revendre. Mais le mieux c'est après, c'est d'enrubaner quoi. Non, ça c'est nul. Ah ouais, le mieux c'est quand même d'avoir. Ah ouais, donc là, parce que là, la différence de prix elle est énorme. Mais est-ce qu'avec un champ aussi gros que cette merde, ça vaut le coup? Parce qu'il est tout petit le champ là. Ouais, ça sert à rien, c'est trop petit, on est d'accord. Mais c'est en plein milieu de la route. Y'a rien à foutre. Oh putain, là je suis en train de faire un terrain de cross là. Vas-y là, on est bon là. Après du coup tu prends la chargeuse et tu charges tout quoi. Oh la masterclass. Bon là on est obligé d'attendre novembre. Donc là au moins on garde ça comme ça, on passera les mois tout à l'heure. On est déjà en novembre. Non mais dans le jeu on est en avril, en haut à droite tu vois avril. Wesh. Wesh. Comment ça c'est pas RP? Comment ça y'a personne qui fait ça avec son tracteur? Comment ça les lèvres ont plus à manger? Elles ont à manger comme jamais. Ah faut remettre déjà? Ah mais attendez, on a rempli et on a encore tout ça dans la remorque. Non mais là l'herbe en fait on est trop bien. Et tu fais quoi toi là, tête de mort? Tu vois que je suis chez moi là? Bah, je pense que les gars, je vais m'acheter un champ.
je vais mettre que de l'herbe et je vais faire que ça. Et quand ils vont revenir, ils vont voir moins 600 millions d'euros. Ils vont faire « Bouzy, t'as fait quoi ?» Je vais leur dire « Les gars, je gère, vous inquiétez pas. » Je me mets là-dessus et j'active et ça part direct, c'est ça ? Genre là, ça part là. Là, j'ai une remorque qui me permet de… Oh là là, oh la masterclass. Hop les… Et les rondes, c'est un peu moins pratique que les carrés, quoi, je suppose. Parce que les carrés, je m'en rappelle, pour charger, c'était vraiment bien. Parce que là, ce qui est bien, c'est que tu mets en balle et en plus, t'enrubanes. Avec la même… Ah merde, putain, faut que j'arrête quand c'est rempli. Là. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bon. Moi, c'est ce champ-là qui me ferait bander, les gars. Moi, ce champ-là, les gars, il est plat comme jamais. Oh là là, ça me fait bander, ça. Celui-là, le 31, là, masterclass. Ah non, on aurait dû les mettre en carré, les balles, les gars. Ouais, mais carré, le prix, c'est vraiment trois fois le prix, quoi. Ouais, essaye de le prendre au Fenwick, voir. Je pense que ça marche. T'as un chicour, hein, si t'y arrives, t'as un bon. Non, ça marche pas, si. Ah, si tu l'as planté. Ouah, dinguerie. Ah ouais, tu me fais des andins, je suis coincé, mec. Oh, il est coincé, le Fenwick. C'est vrai. Oh, il est coincé, le Fenwick. Un Fenwick dans un champ. Ah bien. Là, c'est parfait, là. Je suis bloqué. Vas-y, recule. Non, vas-y. Ah, nickel. Ça va rouler là ou pas? Ça fait 2 ans, on dirait qu'il a rien fait. Oh, t'es un bâtard. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui se rendent pas compte du métier d'agriculteur. C'est pas très RP, ça. Hein. On a aucun mode, hein. Faut pas oublier, c'est qu'on a aucun mode. Il n'y a pas la super force. On est vraiment native, hein. Je trouve que c'est pas dégueu ce qu'on fait. Hein. Enfin, vanilla, je veux dire. On a. J'aime trop. La strat de fou. Allez, on fait avec les moyens du bord. Hein. Là, je mets orge, baisser le semoir. Bon, t'as un peu semé sur le champ d'herbe, mais on t'en voudra pas. Tu utilises la direction assistée, le bouseux, ou pas? Bah, ils sont en train de m'expliquer. Il y a un truc pour okay. Que ça conduise tout seul. Ouais, en fait, faut que tu fasses H enfoncé, vas-y. T'as un menu qui va s'ouvrir. Ouais, ça, ouais. Là, le nombre de fourrières, tu mets à 1 ou 2, tu choisis. Moi, perso, je mets 2. Et en fait, pour actionner le GPS, tu te mets sur une ligne, tu fais H, ça va devenir vert. Ouais. Et tu fais 3, tu mets ton régulateur de vitesse. Et elle va suivre la ligne. Tu vois ? Ah, t'as compris ou pas ? C'est pas automatique 100%. Hein. Genre, elle va suivre une ligne en continu. Faut que tu redresses. Voilà, parfait. C'est simple hein, en vrai, mais à expliquer, c'est un chamboule un peu. Voilà, il va se mettre tout seul. Et là, il va faire toute la ligne là. Voilà, parfait. Ah ouais. Tu regardes ton stream en même temps. Ok, je vois. Allez, je suis en carré, mec. Tu te régales de fou là. Ah ouais, ouais, de ouf, de ouf. Ah, le semoir, je découvre, les gars. Je suis pas habitué. C'est pas ce qu'il y a de plus facile non plus. Ouais, pour l'instant, je kiffe ton burrito. En fait, le jeu, il est vachement complet. Hein. Tu découvres tout le temps des choses. Des petits trous, ouais, mais je vais rectifier ça après. Ouais, c'est pas trop grave, hein. Tu t'es balade là, c'est très bien. T'as bien travaillé le bouseux. Je suis fier de toi. Fier de moi, bon, voilà, c'est ce qui se compte. C'est bon le bouseux. T'as sanglé? J'ai sanglé. Ouais, sinon il y a une palette qui serait déjà tombée. Oh le sac à merde. Je suis pas le mec le plus RP du jeu, mais bon. Je suis pas non plus le meilleur joueur RP et je le serai jamais parce que ça m'intéresse pas. On fait quoi là? J'ai pas pris là. L'endroit le. Le plus safe, mais c'est la pierre map aussi. De faire des sanglés. Ouais, vas-y. Va doucement et tu fais L, le bouseux. Vas-y, fais L. Voilà. Avance un peu doucement. Doucement encore. Vas-y. Voilà. Ouais, très bien. On a donc fait 50 euros. Hein. Ah, c'est bien, non? Bah, c'est très bien, mec. On a fait 52 000. Ouais, c'est propre. T'as pas mangé encore? Non, le dimanche, je mange rarement. Ouais. Hein? Genre, le dimanche, tu manges rien. Tu fais quoi? Ouais, ça arrive. Rien du tout. Ouais, non, ça arrive que je jeûne le dimanche. Bon. Et je bois beaucoup d'eau. Ouais, je te jure. Je fais ça depuis longtemps. Hein. Et la semaine, tu manges beaucoup? Ouais, moi je suis le problème, c'est que je suis un mec et que je suis toujours dans l'excès, mec. Je vais m'ouvrir un caprice des dieux, faut que je le flingue. C'est plus fort que moi. Tu prends une zipette de sel et de poivre par-dessus, les gars. Et là, tu te régales, mon frère. Une petite zipette. Vas-y, redonne un graille aux chèvres, loulou, ouais, s'il te plaît. Un graille aux chèvres, je vais remettre le plateau là-bas. Attends, le plateau, bah non, va pour le lait. Bah ouais, on peut le charger du coup, laisse-le là. Ouais, bien sûr qu'on va le charger. Le prix est pas ouf pour le moment. Vas-y, ça y est, juge pas. Tiens, vas-y, fais-le. Ouais. J'ai perdu patience. Stop, ok. Ouais, je vais caler. Non, c'est pas ça. Oh la vache! Elle va tomber la palette là-bas. Ah non, mais je suis coincé. Enlève la sangle. Là. Bah, c'est tout, il y en a une qui est tombée du coup. Hein. Moi, c'est le premier Farming Simulator que j'ai autant de feeling. Ah ouais? Là, tu kiffes là? Ouais, franchement, j'adore le jeu, no joke. J'adore le jeu, gros. C'est quoi avec votre argent? Idéalement, c'est que déjà, aujourd'hui, tout au moins, on rembourse le prêt, quoi. C'est l'objectif principal de notre survie.
prochain dodo, on va vendre le lait. Oh là là, les sous de fou, on va faire. Je pense qu'on va faire de l'argent là, par contre. C'est 5000 balles la palette. Hein. Oh, je suis planté dans la terre. Je pense qu'on va se faire un petit 80 bar. Je donne un graille aux poules. Je vais à la laiterie, mec. Vas-y, mon bouse, vas-y, vas-y. T'étais au collège où, toi? Moi, j'étais à Péranchy, moi, ceux qui connaissent. Avec Jume, on était à Jacques Monod, nous. Jacques Monod. Moi, j'étais au collège du Carpon. T'étais à Jacques Monod. Je connais pas. Collège du Carpon, lycée Saint-Joseph, lycée Saint-Sauveur, lycée Bréquigny. Mais t'as vu, toi, t'étais un intello ou pas? Non. T'étais fort? Non. Ah, mec, moi, j'étais une brale, gros. Ah, ouais, j'étais une brale aussi. Ma mère, moi, elle était inquiète un peu, hein, je te mens pas. Hein. Ouais. Ouais, ouais, gros, bah ouais, hein, j'avais 3 de moyenne, gros, c'était chaud. Hein. 3 de moyenne? Non, mais 3, c'est impossible, normalement. Je le jure, sur la tête de mon gosse, gros, j'en suis pas fier du tout, mais c'est quand j'avais 3 de moyenne, je faisais rien, de rien, de rien. En 4ème, c'était chaotique. 3,80 de moyenne, ma mère, elle a pété un plomb, gros. Ah putain, ça a baissé. 5600, c'est quand même bien, ouais. Hein, le lait à 5600? Ouais. Mais c'est énormissime, gros. Tu dis ça a baissé, mais c'est le meilleur prix qu'on a eu, c'est le prime. J'ai jamais eu ça sur ma partie. Mais là, on va se faire de l'or en bas. Hein. Viens les sous, viens les sous. Oh là là, le bouseux. Oh le bouseux. Oh là 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 là. Ah, on s'est mis bien. Hein. Bah, on a fait 60. Ah, on s'est mis bien de ouf. Combien on a fait, les gars? Bah, je vais te dire, bouge pas. Produit vendu, on a fait 67 000 euros. Bam! Et le prêt, il est à 345 000. On a la moitié du prêt. On a la moitié du prêt, là. Putain, la vache. Oh la vache! Nous, on peut pas rembourser, on peut pas emprunter. Donc, on est obligé de laisser comme ça. Il y a que Dobby qui peut le faire. Donc là, ce qui serait top, c'est de mettre tous les ballots sur la remorque et de les emmener parce qu'en vrai, ils cassent les couilles. Bonsoir, mes petits fermiers préférés. Oh. Ouais, je le vais, ça va? Ça va, tranquillou? Tiens, mais je vous rejoins dans la ferme. Et j'ai dit tout avant, tellement j'avais envie de jouer. Hein. C'est vrai? Bah ouais. Là, on a quel âge? On a combien là? On a 171 000. On investit un terrain et on fait autre chose dessus. Moi, j'ai envie de faire du riz. Ouf. Oh là là. Alors, ouais. Le riz, c'est possible, c'est très possible. La map est fait pour en plus. Mais c'est très coûteux. J'ai envie de spammer le riz, frère. Le truc qu'on peut faire, c'est on en a deux, ça va être Wars aussi à deux. Ok les gars, je vais libérer les bah vas-y les ballots. Bah je prends lock la récolteuse, gros. Bah vas-y, bah fais et commence à récolter. Tac. Faut le faire à la main. T'as ouais, caisson. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Tu peux me remplacer? Je suis rendu au niveau ouais. De la benne. Ok. Attends, c'est pas ce que je pense quand même. Quoi? On doit pas les mettre dedans quand même. Bah je sais pas. Vas-y, je gère, vas-y. Donc en gros, Bouzy, j'aurais pas joué avec toi, quoi. T'auras pas joué avec moi? Bah non. Non, mais c'est sympa, en fait. Hein. Genre, je pensais que j'avais un ami avec qui jouer cet après-midi. Mais regarde, t'as 4 subs et t'as un caisson. Je suis pas ami avec 4 subs, malheureusement. C'est juste du business, hein. Ça va, 4? Et j'ai démarré le tracteur. Fab, sois normal. Et bonsoir à tous, là. Bonsoir. Bon bah les amis, là on est de retour comme au début là. On va rembourser le crédit et la prochaine chose que tu pourras faire quand on aura vendu, c'est acheter ton pick-up. Waouh. Bouzy, je t'explique aussi ce qu'on fait. Maintenant notre ferme, qu'est-ce qu'on a dedans? On a 2 enclos de chèvres, on a 1 enclos de poule qui fait des œufs. Donc on vend les œufs, on vend également le lait de la chèvre. Ensuite on a un champ d'orge, on nourrit les poules avec ça. Et il y a un petit champ d'herbe aussi au-dessus, tu le vois. Et après on s'en sert pour faire de l'ensilage. Donc l'ensilage, on fait des ballots de paille. Les gars. Ok, comme on faisait à l'époque. Il y a des chèvres qu'on peut à manger. Ouais, bah oui, c'est ça. Là, faut récupérer l'herbe qu'il y a. Il nous faudrait à la limite plus un troisième tracteur qu'un pick-up, non? Le pick-up, en vrai, il va servir à aller vite au magasin, quoi, mais bon. Et le plateau, le pick-up, ouais, impossible. Si, il le tire, hein. Ça va? Mais mec, le Fenwick le tire. Ah, bah vas-y, bah faut prendre un pick-up alors. Prends le pick-up alors. Comme ça, au moins, on ira vendre vite. Vas-y, je veux. Par contre, c'est pas RP, mais bon, hey, on s'en branle. Ouais, ça, c'est moyen RP. Bon, le pick-up, c'est la M2 de Dobby. Ouais, attends. Elle est belle, ma M2. Plus comme ça. Elle est belle, ma M2. Oh shit, non, jamais faire ça. Attends, je prends une poignée et je te les donne. Les gars, je vais vous dire la vérité, ce qu'il vient d'acheter Roro là, c'est le péché mignon le plus mignon du monde. Ne jamais tomber là-dedans, les gars, je vous le souhaite. Avec regarde Valouz qui arrive pour toi. Mais vous voulez me tuer, les gars, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Hein. Tu veux pas t'occuper de bouger cette remorque là? Moi? Attends, je vais peut-être passer. Non, je vais passer, je pense là. Désolé les gars. Pardon les gars. Ça s'attelle pas? Ouais. Non, le mieux ce serait de prendre une remorque. Ah mais oui, mais t'en avais déjà 1 sur 4. T'as pas pris la même couleur? Qui est le fautif là? Qui est le fautif? Le mec en face. Évidemment. On peut clipper les gars pour le React Moto bientôt là. React Dash Cam. Toi, ça cacrotte, t'arrives à 100. Et c'est 90. Dobby, en vrai, le Trius, ça fait le taf, hein, je pense. Non, c'est trop petit, mec. Mais viens, on teste, j'avais trop envie de te voir avec ah une bah, grosse on peut tester, mais ça va nous coûter vraiment 100 000 balles, quoi. Ouais, mais pour la vanne. Vas-y. Ah, ça, c'est bien pour éviter que ça se casse la gueule. Vas-y, on prend classique, alors.
plaît. J'ai pas fait exprès, mais c'est limite bien. Là, c'est sanglé vraiment, les gars, vous pensez? Attends, mais même là, et sur la remorque? Ouais. Mais tu sais que tu perds trop de place, hein. Non, mais j'ai mal optimisé, sur ma remorque. Mais pick-up, on peut pas être plusieurs dedans? Si, deux. Si. Tu veux venir avec moi? On peut pas se taper dedans. Sinon, je vais te chercher, hein. Non, non, vas-y, sors. Vas-y, je sors. T'es sorti là? Ouais. Allez, salut, hein. Ethan, donne-moi ça. Ah non, mais là, il m'a pick-up jacké. Non. Attends, mais t'es où? Il m'a pick-up jacké. Donne-moi ça. Il m'a pick-up jacké. Du coup, je me suis mis dans le Fenwick à la place. Ah oui, attends, je viens dans le pick-up moi, et tu viens avec moi. En bord de route. Ah oui, non, j'avoue que je me suis mis dans le Fenwick, mais j'aurais pu juste sortir. Avec toi, là. Ah oui. Mais mec, je vois une meuf avec des bottes. C'est pas toi? Bah, c'est peut-être moi, mais j'avoue que j'ai pas fait gaffe à mon perso. Les sangles, c'est vraiment fumé dans le jeu. Ah, et c'est pas ce qu'il y a de plus RP. Mais... Ok, mais c'est quoi du coup que t'as fait? C'est PS5 là? PS5, ouais. Oh les sous-sous! Oh les sous-sous! Bah, c'est pas 60 000 en tout cas. Hein. Eh ben écoute, là, moi je peux dormir. J'ai payé en un serveur? Ouais, j'ai payé, ouais. Combien? J'ai payé pour un mois 10 slots, j'ai payé 11 euros. Tu peux accueillir 10 serveurs? On peut avoir 10 personnes. Oh, c'est stylé! Parce qu'en vrai, est-ce qu'on va continuer de jouer après? On continue ou pas? Chill, mais on continue. Moi je vais jouer en chill, ouais. Vu que je l'ai hébergé en plus, c'est tranquille maintenant. Vas-y. On fait quoi? J'ai fait dodo, à 216. Du coup, là et là, ça a rapporté 8. Oh là! Alors, les charistes, on en prend de la graine? Après, là, avec la super force, en vrai, c'est super cheaté parce que quand il suffit d'un mode, et genre la palette, tu la prends à la main et tu la mets dedans. Le Fenwick sert plus à rien, quoi. Et toi, Bouzy, tu vas y rejouer? Moi, je vais y rejouer direct. Du premier degré. Non, en vrai, il y a ce plaisir de jouer. Moi, les gars, je rachète une petite remorque vite fait. Lui, je pense en les Crésus. De toute façon, avec ce que Geeks a fait comme tune. Oh, c'est 5000 balles. Ah, bah oui, voilà, ça a payé au moins sa remorque. Ça va être pour mettre le lait, celle-là. Là, le top, si on est riche, il faudrait deux Manitou. Deux Fenwick. Ou Manitou. Attendez, Manitou, c'est quoi un Manitou? Ah ouais, mais un Manitou, c'est carrément mieux, non? Je vais soulever ça d'Aaron déjà. Fort, toi, maintenant. Pourquoi, Dobby, je peux pas lui soulever ça d'Aaron à lui? Bah, j'essaye de soulever une voiture qui roulait beaucoup trop vite à côté de nos champs. Attends, j'arrive. Ok, le mec, il est invulnérable. Il est juste invulnérable. Regarde, je soulève, c'est moi qui me soulève. Attends, j'avoue, what the fuck. Oh, la voiture qui pèse. C'est la mienne en fait, 2 tonnes 6. Ah, c'est une voiture électrique. Il y a un truc qu'on n'a pas fait qui est cheaté, c'est les serres aussi. On m'avait dit que les serres à champignons c'était fort. Tu devrais trop te mettre avec le volant. Wesh, vas-y. Et là, on est d'accord que je te pourris le champ, non? Et attends, non, les PNJ, on peut pas les soulever, mais est-ce que si je prends la voiture de Bouzy, je peux la soulever? Ouais. Tu veux soulever? Bien, quoi Bouzy. Je suis le Diplodocus là, à l'entrée de la base. À l'entrée de la base, on est sur Rust. Je regarde le truc énorme qui arrive. Ouais. T'as payé ça combien? J'ai dépensé sans compter. Non mais t'es plus lourd que prévu, frère. Oh putain. Ouais. Oh, attends, t'as pas le caquès, hein. Alors là, le Kébili... Il est sous la map. Attends, mais il est où? J'ai passé où? Il a disparu. Il est passé où, Alex? Je suis sous la map. J'ai encore jamais utilisé, il est tout neuf. Hein. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Oh, il m'a chopé par le callback. Poubelle. Ouais, je l'ai à tard, mon pick-up tout neuf. À la vue intérieure, ouais. Je te trappe. Oh merde. Ouais, il l'a jeté. Ouais, il m'a jeté. Il est tombé, putain. Attends, va le chercher, mets-le là-dedans. Bah là, les gars, on est RP boiserie. Vas-y, encore un peu. Pivote. Oui. Vas-y. Ah, c'est bon. La voiture elle est pile dedans, mec. J'ai pas de mytho, hein. Là je crois que t'es irrécupérable. Ah là, si il ouvre là derrière, je suis bon. Oh putain, merde. Il s'est fait renverser par un Fenwick. Le Fenwick, c'est une fourmi. Oh, le RP. Oh oui. Regarde comment il sort. Regarde comment il sort, wesh. Appelez. Bonjour, vieux, bon jeu là. En avrier. Combien il a coûté? 300 000? Il veut s'en acheter un aussi. Non, je regarde. Fais des batailles, gros. Non, le premier qui retournait a perdu. Valous, si t'es chaud, mets-moi les packs 2 dans mon pick-up. Bah, du coup. Ah, le GPS, c'est vraiment bien quand tu fais les champs. C'est la fête foraine. Mec, c'est trop ça. Au pire, moi, tu lèves et moi, je me mets en dessous et tu lâches. Vas-y, lève le plus haut que tu peux et je me mets en dessous. C'est comme une énorme merde qui tombe de ton cul dans la chiotte. Vas-y, et on doit essayer de faire un tout pile. Un perfect. Je vais prendre ça, en fait. Hein. Oula. Vas-y, lève bien. Bah, genre, il est aussi lourd, frère. Voilà, c'est bien, là. Attends, faut bien viser, hein. Vas-y. Oh, les œufs, mec. Lâche d'un coup. Voilà. Oh, en plus, dedans, c'est des œufs, donc c'est RP. Après, tu peux mettre dans le pick-up aussi, hein. Ah, j'ai... Oh, le trou. Oh non, j'ai un souci, Valouz. J'avais pas sanglé. J'arrive. Oula, Valouz.
Est-ce qu'on le fait gagner maintenant? Vas-y. Juste le camion à... Ouais, bien joué. Il est là, le V, il est là. C'est le boss, là. Yo, yo, le tout le monde qui arrive. Merde, lève ton truc. Mais en fait, je suis sanglé, gros, je peux pas. Ah, t'es sanglé avec moi. T'es sanglé avec mes œufs. Ah non, t'es c'est sanglé. C'est pas une blague, frère. Je suis vraiment sanglé avec toi. Allez, au travail. Attends, vous êtes prêts? Oh là là, regardez-moi. 25 000, bim. C'est vraiment un crack, hein. Si tu veux te chauffer, je peux acheter un truc à la... Là-bas, il faudrait nous le ramener ici. Vas-y, si tu veux. Faut la ramener avec un le tracteur vert. Tu peux la ramener avec le tracteur vert. Vas-y, je ramène ça. Oh putain, faut que j'aille à la station, les gars. J'aille à la pompe après. Bon, ce tracteur-là, les gars, il nous aura bien servi, putain. On l'aura bien renta. Oh, ravitaillement. Ah, c'est gratuit. Essence. Ah non, je vois le prix qui baisse. En vrai, oh, le prix, il baisse de fou, c'est quoi ce bordel? Oh oui, on perd des sous, Oh, ça pompe, là. Et c'est lui qui met de l'essence. C'est toi, l'essence. Est-ce que là, vous êtes dit, oh putain, on va faire banqueroute. On va faire banqueroute, les gars. 500 balles de carburant. Ah ouais, putain, la vache. C'est là, c'est l'inflation. Il fait combien de chevaux, le tracteur? 200 000. Part du principe qu'il fait assez. S'il fait pas assez, c'est que tu fais un prêt et tu me rachètes un autre tracteur. Ouais, moi, si j'ai pas mon tracteur, je travaille pour moi. Mais attends, tu peux vraiment te donner de l'argent comme tu veux? Mais non, je ne donne pas de l'argent, je viens d'emprunter là. Sophie, il craque complet là. Sophie, il a fait hashtag Motherload. 1 million. 1 million. Putain, il va falloir qu'on taffe, les gars. Imagine, tu gagnes 1 million comme ça d'un coup sur. Oh là 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 là. C'est un tracteur de zinzin mais ou pas? Mais c'est pas un tracteur là, c'est une moissonneuse batteuse. C'est un chasse-neige. Oh, le tracteur de zinzin, oh. Mec. Ouais. Il l'a pris instant. Ouais, bah voilà, il l'a cassé. Lui, il veut tous les trucs. Non, c'est bon, vas-y, tiens, prends-le. Merci. Mais je suis au truc de vente. Wouah. Il fait 778 chevaux. Il y a vraiment des gens, ils ont. Oh, la puissance. Ils ont des tracteurs comme ça dans la vraie la vie. La puissance. Tu sais que j'ai jamais eu de tracteur comme ça dans la vraie vie. Oh là là. Quand j'entends Dobby cliquer, je sens que sur le compte bancaire, il va y avoir un plus 3 millions. Dédicace à Fab qui a joué toute la nuit pour rien. T'aimes quoi toi, Valouz? T'aimes quoi toi? Putain, non, mais là tu vas me dire qu'on peut open bar? Bah, il y a 1 million 3. T'aimes le bois toi? Attends, je vais regarder ce qu'il y a. Je vais assouvir mes désirs. Ouais, c'est-tu ou quoi? Bah là, les amis, on se fait plaisir. De toute façon, on arrive bientôt à la fin. On va se faire plaisir. On n'a pas assez. Mais quelqu'un a acheté quelque chose depuis? Bah, les gars, il y a 600 000. Il y a forcément quelqu'un qui a fait de la merde. Il y a 1 million qui a disparu. Mais les gars, il y a quelqu'un qui a acheté quelque chose. Les gars, qui a acheté? Attendez. C'est vous, il a acheté le moins. Qui a acheté ça? Qui a acheté ça? Elle est énormissime. Oh les gars, là on est dans la merde toute notre vie, hein, pour rembourser avec du lait et des œufs. En fait, j'endette de 500 000 une ferme. Ah, en fait, t'endettes? Je fais une société, je l'endette de 500 000 et je nous les donne. Et il la ferme. Ouais. C'est cheaté de fou. What the fuck? Allez, 1 million. Il y a une tente de toi. C'est un truc de l'armée de terre, ça. Wow. C'est quoi ce truc? Mais c'est la chaîne. Oh, il y a des yeux carrément. Ah, mais en fait, tu prends ton tronc d'arbre et ça le broie automatiquement. Oh, celle-là, ouais. Hein? Ah non, on va prendre celle-là. Je pense que ça passe. Oh, elle est belle celle-là. Allez, encore 200 000. Regarde, Ouzi, regarde. Ah, je me suis fait un petit kiff, Ouzi. Ah, il t'en a pris aussi. Non, moi j'ai rien pris, moi. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais, ma Non mais je suis bloqué, j'arrive pas à m'en sortir là. Mais c'est quoi ton camtar d'américain là? Les gars, on est acheteurs compulsifs là, je me reconnais. Tain, on dirait Bouzy sur Clash Royale. Qui fait qu'il a pris une moto? Bouzy a pris une moto, frère. On est en roue libre parce que c'est la fin, les gars. Vas-y, bah, go balade. En travers champ. Oh oui, ça burn. Voilà. C'est bon. Et on me dit que l'argent fait pas le bonheur. C'est quoi que vous faites? Une balade en moto. Mec, j'ai fait un salto de fou. Il a fait un triple salto arrière. C'est quoi, c'est Bouzy? Oh, la cargaison de zinzin. Je regarde Bouzy. Mais toi, tu viens. Prends-toi le caillou à fond, Daniel. Regarde. Mec, j'ai trop hâte. Si. Ici, ouais. Oh les trois qui volent là, je suis mort. La gars, vous voulez vous amuser ou pas? Il a acheté le terrain. Les gars, vous pouvez aller la prendre ou pas celle-là? Oh putain, j'y vais. Oh oui. Oh incroyable. Oh oh oh. Oh, elle est pas mal. Oh, elle est pas mal du tout, les gars. Wally. Oh la vache. Oh les gars, je peux faire un truc de fou. Là, vous allez prendre de la vitesse. Ah, il a ramené le 4x4, putain. Oh! Oh! Au moins! Oh! Regarde, gagne! Oh!
quand t'as failli me tomber dessus, frère. Regardez, j'arrive à 180. Mec, on a complètement changé d'objectif quand même. Y'a rien. Je sais pas sur ça. En fait, je suis capé vitesse max, y'a pas une vitesse plus haute. Regarde, je vais rester bloqué dans la porte. Regarde bien. Oh, si. Ah non. Merde. Go, 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 go. Ouah. Mec, t'es blanc. Oh, mais à côté, regarde. Et bam. Oh, le tonneau de fou. Oh la vache. On arrive sur le toit. Ah non, c'est bon. Et là, ça, du coup, nul, ça, aligné haut. Les gars, on dirait pas que je suis en Thaïlande dans un tuk-tuk. Mets tous les œufs là-dedans. En fait, il faudrait un jeu que, genre, où t'as tout. T'as la ferme, après t'as aussi taxi, t'as bus, t'as dans le même jeu. T'as le RP sur tous les métiers. Tu vas vraiment essayer de prendre la pente avec ça, vous voyez? Non, là je vais travailler là. Je vais refaire les œufs là. Bah les gars, il faut qu'on fasse de la thune, hein. On a des prêts à rembourser là. Mets dans ma benne, hein, Val, n'hésite pas. Hein. Ouais, tu peux, Val. Bah, la rouge, là, c'est ça. C'est quoi ton tuk-tuk? Non, la jaune, la Volvo jaune. N'hésite pas à mettre dans ma benne. Ah ouais. Ah, ça l'épluche. Ça l'épluche, ça fait des... Ouh. Ah oui, mais... Ah, mais c'est ça qu'il fallait qu'on achète dès le début. Mais ça, en fait, tu l'épluches, faut le faire en... C'est impossible. Ça vaut 750 000. Ouais, bah tu fais un gros prêt. Par contre, premier Doug, je pense que tu le rentres en vrai. Les gars, récapitulatif de l'aventure, en vrai de vrai, j'ai kiffé le mood. Ça m'a fait penser vraiment comme on avait fait le dernier serveur, c'était trop bien. Ouais. On s'est fait une petite folie à la fin, on testait un petit peu des véhicules un petit peu farfelus, etc., qu'on n'aurait jamais pu se permettre. C'est vrai. C'est énervé, c'est-à-dire que l'étendue du jeu, franchement, c'est exceptionnel. Hein. Eh ben les amis, ce sera pareil pour moi. Merci à tous d'avoir suivi le jeu. Des bisous les gars, passez une très bonne soirée. Je vous aime très fort.